Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kayato. Aujourd'hui on se retrouve donc sur Imaginary Friends. Donc je pense que ça va être aussi un let's play comme celui que j'ai fait sur Mario. Alors je vous explique pourquoi je fais ce jeu alors que je suis toujours en train de faire Mario. Simplement parce que j'ai voulu jouer à deux jeux. Et les deux putains de jeux que j'ai joués ne fonctionnent pas. Donc, je me suis rabattu sur un jeu que j'avais déjà téléchargé, qui est donc Imaginary Friends. Et pour vous donner un petit contexte, je crois bien que c'est une fille qui est un peu, comment dire, toute seule dans sa maison, et c'est les vacances d'été, et finalement sa mère lui demande donc de sortir. Attendez, je bouge un peu la caméra. Et finalement, en fait, elle va se renfermer dans son monde imaginaire avec son ami imaginaire. Ça paraît un jeu qui va être un peu simplet, un peu niais peut-être. Et finalement pas du tout. Apparemment moi, ce qui m'a vraiment donné envie de jouer à ce jeu, c'est le simple fait que j'ai vu que c'était un jeu d'horreur psychologique, exactement comme Mario The Music Box. Et donc, on y joue tout de suite. J'ai super envie d'y jouer, même si je voulais attendre un petit peu plus tard pour commencer vraiment le jeu. C'est parti! Et donc, je vais vous traduire comme d'habitude. Hayley! What are you doing? Alors, Hayley, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok, sur son PC. Plus c'est relativement bon. Enfin, moi, j'aime bien jouer à ces jeux comme ça. Je trouve que c'est sympa. Alors, elle est 40 petits points. Donc, 3 petits points. Rien. Ça fait un peu l'ado dans sa chambre. Qu'est-ce que tu fais? Rien, maman. Et moi, en fait, je m'en bats les couilles. Elle s'en branle. Alors, tu dis que tôt, à chaque fois que je te dis ça, tu devrais l'avoir deviné. Ouais, bah, en même temps, si elle est sur son PC toute sa journée, je comprends. Tu n'as pas quitté ta chambre une seule fois durant toutes les vacances d'été. Est-ce que ce n'est pas chiant d'être assis toute la journée sur ton putain d'ordinateur? Hashtag YouTuber. Je rigole. Pas vraiment. Pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec tes amis pour une fois? 3 petits points. Elle sait répondre que comme ça. Par les 3 petits points. C'est-à-dire par un petit souffle. Voilà, c'est tout. Parce que j'en ai aucun. Quoi? Je ne peux pas croire que tu es... Tu vas rester meublé comme ça, donc en gros statique dans sa chambre. Hayley! Ok. Rien. Elle se répond que par rien et que par des trop petits points finalement. Alors je vais aller au supermarché avec Timmy. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas avec nous? Bah oui, pourquoi est-ce que tu bouges pas ton cul? Je ne veux pas. Donc c'est je ne veux pas, je m'en bats les couilles et j'ai envie de faire que ce que je veux. D'accord. Donc typiquement, moi il y a 2 ans, voilà. Voilà, moi il y a 2 ans. Bon. Je sais pas. Alors, ce n'est pas très sain de rester toute la journée assis. Effectivement. Vous savez, il y a des gens qui sont réellement morts en restant assis. Parce qu'il y a un caillot de sang qui s'est mis dans leur poumon, je sais pas quoi. Et finalement, ils sont morts, ben. Les parents ont retrouvé leur fils ou leur fille mort, assis sur leur lit en train de jouer. Tout simplement parce qu'ils étaient assis. Excusez-moi, ils étaient restés le cul assis trop longtemps sur une chaise. Super. Alors, Hayley, si tu ne viens pas, je vais donc couper la connexion internet pour le reste de l'été. Oh là là, la menace, la menace! Fine, elle s'en bat les couilles en fait finalement. Ok, bon, ok, elle s'en fout. Alors, preset to confirm ou space to investigate. Pour aller au menu et hold shift to run. Ah, cool, je peux courir, donc X. Donc X c'est les items, ok. Donc je me déplace avec les flèches, ça c'est cool. Et shift, je peux courir. Oula, oula, elle court un peu vite la fille. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux investiguer, ma petite? Ok, d'accord. Et il n'y a pas de son dans ce jeu. Ce jeu n'a pas de son. Au moins, t'es habillé. Au moins, t'es habillé. Au moins, elle est habillée. C'est déjà pas mal. Bon, elle est habillée un peu chelou. Oh, mais attendez. Regardez. Elle est habillée exactement comme son lit. Elle a les mêmes couleurs que son lit. Mais c'est génial. Bon, My Book and Movie Collection. D'accord, ok. Bon, en fait, il n'y a absolument rien à voir, en fait, ici. Ok. Bon, alors, sortons. Oh, allez. Ben voilà, elle est sortie de sa chambre. Ah non, mais elle est vraiment... D'accord, elle est vraiment là aussi. Elle est pas en chèque, ça. Alors, qu'est-ce que tu veux manger cette nuit? Ah, ben c'est cette nuit en plus qu'elle lui demande. Ça, c'est même pas qu'est-ce que tu veux manger pour dîner, c'est qu'est-ce que tu veux manger cette nuit. D'accord. Je veux manger des spaghettis. Et là, il a... Comment dire? De... Vous savez, de la morvonnée. C'est un peu dégueulasse. Encore une fois, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que tu veux, toi, Hayley? Est-ce que les spaghettis sont bons pour toi? Je pense. Ouais, en fait, elle a jamais d'avis. D'accord, elle a jamais d'avis. Donc, je sais pas quoi, pourquoi est-ce que tu vas pas chercher les pâtes? Ah, super, nous sommes dans un supermarché simulateur, finalement. En fait, c'était pas du tout Imaginary Friends. C'était donc un supermarché simulateur. Supermarché simulateur 2016. Pendant que Timmy va chercher les légumes. D'accord, bah, très bien, maman. Est-ce que je dois vraiment le faire?
Trois petits points, pas contente. Ok, ok, j'ai quelle sorte? Juste des spaghettis normales. Si tu veux essayer des spaghettis différents, bah fais ce que tu veux. D'accord, bah je vais essayer des spaghettis différentes alors. Je sais pas si je vais vraiment avoir le choix. Alors comment on fait pour courir déjà? Spaghettis. Je pense que c'est dans les S. Hein. Mais en vrai, c'est trop pas con ce système de magasin. Un système de magasin par ordre alphabétique. C'est pas du tout bête. Bien évidemment, il y a les spaghettis qui doivent être à l'étage. Hein. Employees only. Non mais je dois pas deviner où sont les spaghettis quand même. Oui, parce que c'est des faces, Getty en fait, finalement, c'est pas du tout... les lettres ne servent à rien en fait, d'accord, ok. Il a des dizaines de pattes. Je vais juste prendre des spaghettis normales. Oh, j'ai obtenu un pack de spaghettis, mais c'est génial ce jeu, dis donc. Un pack... Ils sont passés où? Maman. Maman, où es-tu? Lui, il a l'air d'être très chiant. Viens là, toi. Ah, c'est mon frère. Oui, il a l'air très chiant. Est-ce qu'on peut acheter aussi des candies? Ne cours pas ou tu vas être perdu. En fait, ça, c'est notre maman. Elle va faire les courses. Elle oublie sa liste de courses. Bravo. Qu'est-ce que nous manquons? Alors, j'ai utilisé le dernier lit, les céréales, machin. D'accord. Yes, le nouveau supermarché simulator 2016. Wouhou. Ah, au moins, voilà, l'avantage, c'est que milk, c'est marqué en gros. Hein. Alors, ouais, ok. Mais il y a marqué lait. Il y a marqué lait. Et elle dit qu'il y a des... Mais t'es sérieuse, là? Ben, voilà. Non, mais le truc, en fait, c'est qu'il faut deviner, en fait, où sont les produits. C'est un supermarché simulator. D'accord. Mais je pars 5 minutes, il n'y a plus personne. Ils sont où, ces cons? Salut, toi. Have you seen my sister? Nous avons été séparés. En fait, ils ont tous été séparés, en fait, dans ce magasin. Je veux rentrer à la maison. Mais les gens, ils sont tous blasés. Possible. Je veux rentrer à la maison. Ouais, bah d'accord. Mais ils sont réellement passés où, en fait? Hein? Salut, toi. Tu sembles être seul. Quoi? Mais what the fuck, c'est quoi ce jeu? Si tu veux de l'aide aux employés, demande-leur, ils ne t'aideront pas. Bien, bien. Mais c'est génial. Ça a l'air d'être très fun comme jeu. Bah toi, employé, qu'est-ce que tu vas me dire, employé? Ha ha ha, tu ne les trouveras jamais. Eh? Mais what? Est-ce que tu n'es pas un peu grande pour être perdue de ta mère dans un supermarché?
Mais ils veulent du pain, ils veulent du pain ou quoi? Ils veulent, je leur mettre un pain dans la gueule? Tu as appelé tes parents, j'espère qu'ils sont quelque part dans le magasin. Ou peut-être pas. Mais what? Si je paye, est-ce que tu disparaîtras? Ah ouais, non mais ils sont sympas les gens en fait ici, c'est... mais what? Peu importe où ils sont, ils ne te manqueront jamais. Ah ok, d'accord, ok, d'accord. Supermarché Simulator 2016, hashtag déprime. Bah, ils sont pas dans le truc d'employé quand même. Employees only. What the fuck? Mais attends, y a plus personne là. Alone. Mais what? C'est même Même plus plus safe, safe, c'est c'est alone. Non mais elle est en train d'halluciner. Et... Y a plus de son. Y a plus de son pour être seul, aller à aller à droite. droite. Mais what? Mais c'est bizarre comme jeu. C'est Supermarché Simulator 2015, hashtag je comprends rien, parce que là, voilà, je vais dans le supermarché. Mais panique Mais sa panique race, ça, on on s'en s'en fout, on fout, s'en bat on les s'en couilles, y fout, a plus y a plus personne, on est tout personne. seul au monde! Ouais. Ah, Ah, quelqu'un, quelqu'un. bonjour. Oh, calme. Hey you! You! Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui se se passe passe ici? ici? Où ils sont tous partis? Bob Red Cap. Hashtag Pokémon. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi est-ce Pourquoi que est-ce le que le store store est est soudainement soudainement vide? vide? Trois petits Trois petits points. points. Est-ce que tu veux jouer? Hein? Let's go and play. Donc en gros jouer. Je veux voir ta maison. Donc allons jouer dans ta maison. D'accord? Non. Et attends. C'est un connard. Bon, où est-ce que maman et machin sont partis? Est-ce qu'ils sont peut-être déjà rentrés à la maison? Sinon, je peux à la limite l'appeler? Bah oui, c'est une excellente idée. Dans un magasin où les trucs sont marqués alone de partout. Ça me semble être une excellente Excellente idée. idée. Hey! Hey! Je suis à Je la suis à la maison! maison. Est-ce Est-ce qu'il qu'il y y a a quelqu'un quelqu'un à à la la maison? maison? Ah, excusez-moi, à chaque fois je tape dans le truc, mais je fais exprès. Alors, une note, une note. Une note. C'est une note, ça. J'ai pas le temps de regarder la télé. Oui. Mais pourtant c'est un pull là, donc c'est que ça a quelqu'un. Une boîte de mouchoirs. Non, c'est quoi ça? Ah, là, si, il y a une note là. Sur le machin, le frigidaire. Hello! Hello. Personne n'est dans la cuisine. Ah, ça c'est... Ah, d'accord, c'est la liste de courses, la fameuse liste de courses oubliée. Ouais, ok, c'est cool. Et là, il y a un truc tout seul. Peut-être dans ma chambre? Mom, dad, are you there? Ah, d'accord, il faut que j'aille dans ma chambre. Ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, donc il est vraiment là, lui. Toi! Toi, Tu étais j'étais au au magasin. magasin. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que avais dans tu ma avais dans ma chambre? chambre? Comment Comment est-ce que est-ce je que suis tu es rentré rentré là? là? Trois petits points. Jouons. Jouons. Arrête! Sors de ma maison ou je Sors vais de appeler ma la maison, je vais police. appeler Tu disais que tu voulais jouer avec police. moi. Je n'ai rien dit du tout. J'espère que tu auras du fun. Oui, mais encore. Donc, à demain. Bye bye. Est-ce que tu vas aller faire du shopping? Sure. Donc oui, ça semble fun de faire du shopping. Oui, et nous on est où là? Ah d'accord, c'est juste un flashback. Alors allons donc je sais pas où et jouer au New Battle Cry 2. D'accord. La bataille des pleurs 2. Waouh, tu l'as déjà acheté? Bah je l'ai eu hier donc. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Hell yeah! Let's go already, donc allons-y. Donc je vais te défoncer, je vais te battre, haha, pas question. Et non, mais nous, c'est nous, on est au milieu là, on est le petit truc au milieu là, je crois. Je ne vais vraiment pas retourner à la maison maintenant. Oh, mais tes parents, est-ce que tu veux venir à la librairie avec moi? Enfin, à la bibliothèque du moins.
Alors, je pense que ça sera bien. Je vais acheter donc du chocolat chaud avant pour te remercier. Merci, tu es si gentil. Bah, mais de rien, mais de rien. Rien, va t'acheter ton putain de chocolat pourri. Hey! C'est quoi ce prof, ça? C'est mon pote? Oh, hi! Hello? Tu sais quoi? Nous ne sommes pas sortis depuis un long moment. Tu as raison. Est-ce que tu veux aller quelque part? Ah, désolé, j'ai promis à ma mère de l'aider aujourd'hui. Oh, déception. Et pourquoi pas demain? Oh, bah, bien sûr, chou, comme dans les animes, chou, avec la petite hésitation, hashtag je rougis, hashtag machin, beaucoup d'hashtags dans cet épisode. Je peux marcher avec toi pour retourner à la maison. Merci, c'est super de toujours avoir de la compagnie. D'accord, et elle est toute seule dans sa classe, c'est cool, ça a l'air sympa comme jeu. Je me demande, quand est-ce qu'est la dernière fois que j'ai passé du temps avec quelqu'un après l'école? D'accord, et je me retrouve donc à la maison. Donc là, en fait, c'était un souvenir. Ugh. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que le garçon est allé? J'ai besoin de trouver maman et papa. Le truc sympa, ce serait que j'aimerais bien savoir comment sauvegarder. Non, bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment sauvegarder. Bon, on va voir, on va voir. D'accord, ok. Sa maison a changé. Quoi? Ce n'est pas ma maison! Elle rentre dedans. J'aurais pu jurer que c'était ma chambre et il y a une minute, une minute, une seconde avant. Où est-ce que je suis? Bonjour. C'était mon nounours préféré quand j'étais petit. Je pensais qu'il était parti depuis le temps. Ah, yes! Ah, vous pensez que c'est le fichier de sauvegarde, ça? D'accord, ok. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est bien et pas bien. Est-ce que je regarderai en dessous du lit? En fait, j'ai l'impression que c'est son lit. Enfin, du moins, c'est sa chambre quand elle était petite. Bon, par contre, comment dire, il y a des trous dans le sol, donc ça, je suis pas sûr que ce soit cette fois exprès. Regardez en dessous du lit. Ton petit point, ton petit point, ton petit point, tout quatre petits points. Il y a quelque chose de blanc et de froid sous le lit. Obtenu un os? Un os? Yes! Yes! Elle n'est pas choquée. D'accord. D'accord, elle n'est pas choquée du tout. Voilà. Elle a obtenu un os qui était sous son lit, mais apparemment, ça la choque pas plus que ça. Bon, pourquoi pas, hein, on dirait. À gauche, à droite. Oh oui, une porte délabrée, ça me donne envie d'y aller. La porte semble bloquée, donc machin. Semble fermée, je veux dire. Alors, les murs sont couverts de dizaines de dessins d'enfants. Ils se demandent ce que c'est. Donc, on court, on court, on court, on court, on court. Ok, un tableau noir. Je ne peux pas regarder, je ne peux rien voir à travers la fenêtre. Il n'y a que donc la nuit, les ténèbres, comme vous voulez. Ouais, ok, alors on dit la même chose. Et ça a l'air d'être une note. Ah non, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est pas grave. Ok. Donc on redescend, on va dans une pièce. C'est très chelou quand même comme truc. Est-ce que je regarde à l'intérieur? J'ai envie de regarder. C'est vide, d'accord. On dirait son petit frère en haut, non? Et là maintenant c'est en 2D. Merde, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bah d'accord. J'ai sûrement allé regarder ce qu'il y avait dedans. Je peux rien voir. D'accord. Ou peut-être c'était une lampe torche un jour. Une poupée. Bonjour. Oh, quel beau jour aujourd'hui. Hashtag poupée sans tête. Alors oui, ça l'est. Et quel look vraiment superbe dans cette robe. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est bien de t'avoir rencontré. Est-ce que tu voudrais un peu de thé? Oui, s'il te plaît. Je ne peux pas le boire sans sucre. Oh, mon cher ou ma chérie, putain. Je suis... Ça m'énerve quand je fais ça. Je ne sais pas quoi. D'accord, c'est cool. Donc, des poupées qui se parlent, c'est pas du tout glauque. C'est tout à fait normal. Une poupée. Alors, c'est trop sombre. Pour regarder en dessous du lit, et je me... Voilà, bon, bref, en gros, elle s'en tape. Là, il y a un truc très chelou. Un dessin chelou, un autre dessin chelou. Mais elle est toute petite, la fille, là. Là. Allez.
RIP, qui est mort? Max. Qui est Max? Je peux pas aller là. Elle a été donc. Elle a été, comment on appelle ça? To dig. Creusée quoi. Mais c'est pas très profond. Il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui brille au fond. Est-ce que je le prends? Donc j'ai obtenu une clé. Wow, comme ta joie, détends-toi. Hein? Je suis mort? Mais c'est une blague? C'est une blague, je suis mort? Un truc, un espèce de chien chelou m'a attaqué et je suis mort? Non mais c'est une blague. Attends, what? J'ai pas compris là. J'ai une clé, je pense que je peux l'esquiver. Je vais recommencer, je vais voir si c'est possible. Mais le truc, elle est super vite en fait, ça qui m'a effrayé. J'ai un peu chié là. C'est toi, la question que je me pose, c'est pourquoi Game Over? Enfin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous tue pas? On dirait qu'il nous renifle le cul, tu sais. Il nous tue. Attendez. Je pense que c'est possible si j'ai... Non, il nous rattrape. Je crois pas que ce soit possible. Je crois pas que ce soit possible pour l'instant. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Moi, j'arrive à... Je sais pas. Bon. Bon, voilà. Donc, on se retrouve là. On se retrouve ici, avec les fameuses poupées. Je crois que ça allait parler tout seul, non? Ou pas? D'accord, bon là, là ils vont parler, on sait jamais. Ok, donc ici c'est pas bon, ici c'est de la merde, ici ça me semble... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une poupée toute nue... on va y... je sais pas moi, dans la première porte, hein, on t'en fera dans l'ordre. Ah, c'est un point de sauvegarde ça? Ah ok. Ça c'est bien, s'il y en a beaucoup, c'est cool. Ah, le miroir, je sens que le miroir, il va nous dire quelque chose. J'aurais été sûr. Une porte, hein? Il y a des... alors, une dress, une bleue, une pink ou une jaune. Prenons la jaune. Allez, je vais aller prendre la bleue. D'accord, en fait, j'ai juste obtenu une robe. Ça change quoi? Ok. Encore un endroit chelou. Alors, ces boîtes semblent contenir des choses variées. On dirait des jouets. Ok, d'accord. Donc, des animaux. Il y a des animaux dedans, mais je suppose des poupées, je crois bien. Et toutes leurs têtes sont manquantes. Enfin... Mais what? La tête d'une poupée? Ouais. Mais encore. D'accord. Une poupée. Peut-être que la poupée de tout à l'heure qui avait pas de tête là. Ça va à quelque chose? Je sais pas, ça sert à quoi? Alors, c'était la plus belle des poupées de toutes. Elle avait les cheveux dorés, de cheveux dorés qui donc brillaient comme le soleil. Elle était très très belle dans cette robe, dans peu importe quelle robe elle portait. C'était vraiment la plus belle des poupées de toutes. Et elle était sûre, du moins elle a fait, que n'importe quelle poupée ne pouvait être plus belle que elle. D'accord, en fait, je pense qu'il y a une poupée qui leur a coupé la tête. C'est bien ça, c'est ça ou pas? Est-ce que j'ai raison? Je vais sauvegarder. Parce que ce jeu est chelou. Ouais, enfin, ça m'a pas avancé en fait de savoir ça. Ah, attendez, les cheveux dorés, ce serait elle? Saig. Saig. Mais il n'y a pas de sucre. Bah écoute ma petite, je vais essayer de te trouver du sucre si. La truc est chelou là-haut. Et qu'est-ce qu'il y a là?
There is a narrow hole, pick. Non, mais je suis déjà rentré là-dedans, elle m'avait dit que c'était pas bon. Excusez-moi, ça me gratte l'oreille. Tu ne peux rien voir. Je pense que ça sert à rien de retourner là. Ça sert à rien de retourner là, n'est-ce pas? Take a look inside. D'accord. Et là? Ah, et là, l'horloge, est-ce que je lui ai parlé? Donc c'est vraiment une très grande horloge. Est-ce que je pourrais regarder? A crowbar. Ah, est-ce que avec ça, je vais pouvoir taper la gueule du mec là? Lui donner un coup et qu'il va me laisser tranquille. Et si, je vais pas parler en fait à lui. Ah d'accord. Et là, il va pas me casser les couilles, c'est ça? D'accord, ok. Ok. Et donc ça, je suppose que ça m'a permis... Attendez, je vais sauvegarder, parce que ce jeu, j'ai l'impression que ça va être du genre du genre Mario, et du genre, bonjour, tu fais quelque chose, bonjour, t'es mort, tu vois, voilà, un truc rapide, efficace. Et il y a quatre trucs de sauvegarde, donc s'il y a des fins différentes, peut-être, j'en sais rien, en fait, peut-être que ça va nous servir, ou pas. Mais t'es sérieux? Ah non, mais en fait, je suis con. En fait, je suis complètement con. D'accord, je sais à quoi... Ah non. Mais mes yeux. Alors, je suis retourné 5 secondes avant, il n'y avait rien. Et là, j'y suis retourné et finalement, je suis mort. Ok. Non, vous savez, au tout début, là, dans ma chambre. Vous vous souvenez bien, dans la petite chambre. Attendez, peut-être le coffre là, je sais pas, enfin ça ressemble à un coffre. Ah bah voilà. C'est vide, super. Oui, au tout début, il y avait une porte à gauche, j'ai fait, ah c'est cool, elle a l'air sympa, elle a l'air délabrée, ça a l'air sympa d'aller là-bas. Je pense qu'avec la clé, on va pas l'ouvrir. En tout cas, c'est un jeu qui joue vite parce qu'en fait, tu fais que courir tout le long. Hein. Voilà, celle-là, cette porte. Voilà, j'en étais sûr. Coucou! Vous avez sûrement dû voir comme moi une tête qui sortait du sol ou qui s'est écrasée, je ne sais pas. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, la musique au fond est quand même sympa et quand même... Coucou! Bonjour. Tu vas pas me suivre. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas une fille comme ça. Tu penses que je suis... The doll upper body. Ah d'accord, alors ça c'est le haut de la poupée. Et ça, c'est le bas. Est-ce que je dois les... Ouais. Ok. C'est rigolo comme jeu, dis donc. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Coucou! J'ai obtenu un joli chapeau. Vous pensez que si je la tape, je vais mourir? Vous pensez qu'il faut que je lui mette le chapeau? Je vais lui mettre le chapeau. Allez, je vais te mettre le chapeau parce que t'as l'air moche. Mais what? Le jeu incompréhensible. Voilà, tu vas pas me casser les couilles, c'est bien. Non. Ah non. Ah non. Je vais prendre dans ce sens-là, voilà, c'est un peu plus rigolo. Bonjour. Ah merde, mais quel con! Mais non, mais je suis débile. Oui, mais j'ai compris, je suis là. Mais en fait, on sait toujours pas où on est actuellement. Mais bon, vu le nom du jeu, Imaginary Friend. Ça doit être le monde du mec, mais enfin c'est un monde chelou quand même, ou le monde d'elle, on ne sait pas trop pour l'instant. Bon, cette fois je vais reprendre le chapeau, je vais pas me faire bouffer par cette connasse là, en plus elle ressemble à rien. J'ai obtenu un joli chapeau. Oui, ce chapeau a l'air merveilleux. Allez, dégage. Salut, à plus. À plus dans le bus. Ah, mais vous savez quoi, pour un premier épisode, je pense qu'on va s'arrêter là.
Simplement parce que ça fait déjà 30 minutes que je tourne, plus de 30 minutes que je tourne. J'ai pas envie de faire un épisode non plus trop long pour un début. Et mettre le temps un peu que le jeu enfin, se mette en route, voilà, que comment dire, je spamme pas de let's play d'un coup. Donc petite partie comme ça. Je pense que juste pour voilà, se mettre dans le jeu, comprendre un peu ce qui va peut-être se passer, ou peut-être rien comprendre. Voilà. Donc en tout cas c'était Kayato, donc j'espère que cet épisode il vous aura plu. Même si de base je voulais pas faire ça, mais bon, ça me relance sur un nouveau let's play qui a l'air quand même sympa. Je pense que ça va être aussi bien que Mario. Peut-être mieux, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est sur une bonne lancée. Alors je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kayato, et salut!